Salut YouTube, on fait le tournoi du Discord d'étoiles. Regarde-moi ça, on est en poule Round Robin. On a ma poule juste ici, on va faire 3 matchs. Round Robin, c'est quoi? T'affrontes tous les joueurs de ta poule. Donc on va faire 3 matchs. Et les deux meilleurs joueurs, les deux joueurs les mieux classés au classement passeront au top 8, qui sera un bracket ensuite. Alors j'ai pas l'info si c'est simple élim ou double élim, mais ça sera un bracket pour le top 8. Donc les deux meilleurs de chaque poule. Donc objectif sur cette poule, gagner au moins 2 matchs pour se qualifier dans le top 8. On va faire ce qu'on peut, mon cher YouTube, et puis bonne vidéo à toi. Allez, let's go, le premier match contre une Pyramitra à radio qu'on affronte pour le premier match de cette poule, du coup. Du coup, rien n'est éliminatoire, mais faut pas se louper, je connais pas les joueurs, je connais pas leur niveau. Et nous, on joue plus trop au jeu, donc forcément, ceux qui ont suivi le champi bonus ont vu que j'avais du mal. C'est pas un tournoi où j'ai performé après ici, mais bon. Trop grid, ça va être grave. Je peux le shield, je suis mort. Ah putain, ça explose. C'est pas un matchup sur lequel je suis à l'aise, hein, Pyramitra. Je devrais le tuer. Ouais. Avec la rage. Non, faut gratter des pourcents avant de mourir. J'ai pris des risques, hein, parce que je pensais que ça passerait plus facilement. Ouch. Ouais, j'ai trop avancé la roue. Ouais, pas dû. Mais on a mis 96%, donc c'est cool. Attention, 124. Tu auras, on a un stock d'avance, c'est bien. J'arrive pas à savoir trop ce qui me donne l'avantage dans le match, parce qu'il peut-être qu'il grid trop certains coups. Ou il connaît pas mon perso et du coup je lui mets cher sur cette phase qu'il faut pas qu'il prenne. C'est plutôt ça, je dirais. Ok. En vrai, il se prend des trucs. Et la tech. Ah, ok, le Venacral. Ah bon, je touche pas de là. Oh, le spacing. Le spacing kata. C'est pas une bombe que j'ai fait? On gratte, hein. On gratte un peu. Oh la DI. Il a voulu, à mon avis, se protéger en faisant une DI out. Sauf que du coup, le fer derrière, ça va le choper. Ok. Qu'est-ce qu'on va ban? J'avais du mal sur quoi en vrai? Il me chopait au sol, donc DF Kalos, on va. DF Kalos, là il a hâte, hop, prends ce que tu veux. C'est sûrement pas les meilleurs bans, hein, mais. Eh. On est bien. Ça se passe bien pour l'instant en première game. On a gagné avec une petite avance sympa. Ah, attends, mon perso fonctionne? J'ai pas choisi le perso. Oh oui! Des fois Star GG fonctionne, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il prend le même perso? Il a pris la même map. Sonic. Tchao tchao.
Petit Sonic pour la game 2. Zbiloulou, zbililou, bibou, bibouba. En vrai, j'ai fait de BNDF et Kalos du coup. Hein. J'aurais pu 0 to death si j'ai pas fait forcer un peu. Ou comme j'ai fait là. Pour l'instant, il saute beaucoup, mais pas de dégâts. En vrai, qui s'en fout? Boum, boum. Ouais, faut pas attaquer comme ça quand je shield là. Ah bon. Oh dommage. Ok, heureusement qu'il dodge. Moi je l'attends au sol hein. Je sais que Sonic il est pas très bon en landing. Ouais non. J'aurais bien aimé qu'il le chope. Ah, il part trop à gauche. Il vole trop Sonic hein, sur les bombes. Oh le backer. Après on est bien, on a un stock d'avance, je vais pas me presser. Je vais pas me presser. On est bien. Il reste 4 minutes 40. Ah j'ai miss. Un peu trop de... Oui oui oui. J'espérais le choper, ça aurait été incroyable. Ah, c'est terrible. Un peu trop de zone rouge. Oui, il se fait avoir dedans. Nice. Et bon, on gagne une game, on n'est pas fanny. Let's go. Megan remporte sa première game, let's go. Et nous, on a la seconde contre Piou et fait l'inferno, mesdames et messieurs. On enchaîne, on n'a pas trop attendu. Je pense qu'il y aura plus d'attente pour le prochain match. Là, on enchaîne, ouais, 5 minutes même pas. Avant le, après la game d'avant. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec Piwe et Otaku, d'ailleurs, en termes de résultats. Faut faire gaffe, c'est fait l'inferno, c'est les contres. Hein. Il est grave, bossé. Pour l'instant, il contre pas, donc ça me va. Enfin, ça, il se prend tout sans contrer. Bien aimable. Ça va, tu let's go. Je suis bien hein, pour l'instant sur ce point. Je vais commencer. Hein. Et là, les contres. Il commence à arriver. Ok, ça, c'est mal. Petit ladder. J'ai plus de saut, putain. Oh. Faut que je trouve un grab. Oh, il a stun tellement mon shield. Ah. Un peu de chance dans ce malheur. C'est que je meurs pas.
Mort. Non. On a un stock d'avance, non, pas de risque. Non. J'étais en plein dedans. J'ai pas fait gaffe. Donc on a un stock d'avance, c'est bien. Comme le game d'avant. Pour l'instant, on est en forme, je trouve. Ça sert jamais à Cyril Cyrane hein, pour le match-up training. J'ai réussi à l'enchaîner comme je voulais, mais j'ai pas derrière mon... Oh non. Ah, je suis mort? Non. Ouais, j'ai le spécé, hein. Merde. J'ai le spécé en boucle. Le grab de trop. On est bien. Je pensais pas être à l'aise sur ce match. Ce que fait l'Inferno, c'est un truc qui me surprend souvent sur les grabs. Donc c'est cool. On a les Bangwa. Smash V, Nuashi, TSL, ça dégage. Ça donnait quoi, Otaku Piwe? Otaku 2-0. Otaku 2-0. PS2, on reste sur PS2, pas de changement du côté... de l'adversaire. Ils ont commencé le match. Pas encore, je crois. Ça fait 0-0, donc on aura 10-15 minutes à attendre après. S'il y en a qui veulent jouer, n'hésitez pas, d'ailleurs. Je sais pas si t'auras une pause, Magan, mais pareil, hein, c'était une pause. On pourra faire 2-3 games pour attendre. Encore faut-il finir cette game. Pour l'instant, c'est pas le cas. Même si on est toujours à l'aise sur cette seconde game. Et le jump en plein dedans, c'est dommage. En vrai, si on gagne normalement ce match, on se qualifie au prochain tour. Hein. Vu que à Radio j'ai battu, Piwe a perdu contre Otaku, donc peu de chance qu'il passe. Et nous on sera avec 2 victoires. Donc si Otaku gagne contre Radio, on sera qualifié. Et on jouera juste la première place. Si Radio bat Otaku, par contre. Là, ça sera peut-être plus compliqué, mais vu que j'ai battu Radio, moi je suis ni devant. Je me tape le seed 1. Ah forcément. Mec, t'as gagné un match, tu peux te qualifier, hein, je pense, dans les phases. On est par chapeau de seed, donc ça se trouve, t'es même pas si loin. Hein. Prends en toi, Magan. C'est dommage. Heureusement, il est lourd, son perso. J'ai pas le temps de shield. Un peu trop dangereux ce qu'il fait, à se mettre en dessous de moi. Il tuera pas encore. Hein. Malheureusement. J'ai du mal à le tuer. Ah ouais, faut voir ce que le site veut dire, hein, mais c'est vrai que si t'as battu le site 3, normalement tu peux battre le site 4 et te qualifier. Bon, faut le tuer devant, Pyro. Sinon, c'est moi qui vais mourir. Tu auras pas ça encore. Trop loin. Trop loin, mais pas loin.
7, je me fais lobotomiser. Bah tu verras, tu verras. C'est vrai que Lucina c'est pas facile hein. Je pense pour Fox c'est un match-up chiant en plus. Tu mords. On va le haut. Je meurs pas hein. Très bien joué Pierrot. Ah c'est vrai qu'il est bon Mixed hein. Je me suis marré, je voulais une bombe. Oh, ça aurait pas changé grand chose, je pense, mais. Ah, il lâche le shield, dommage. Les règles étaient douteuses quand tu l'as battu. Mais non. Allez, balle sur des règles non douteuses. Là, tu fais le premier de poule. Souvent en round robin, les joueurs sont moins, moins focus. Donc t'as moyen, hein, tu sais pas. Un petit upset. En tout cas, normalement, nous on devrait se qualifier pour les phases finales, pour le top 8. On a gagné le deuxième match, mesdames et messieurs. Il restera plus qu'à jouer la première place contre Otaku. Sauf s'il perd contre Radio, ça on va voir. On n'a pas encore l'info, on va aller suivre ce match nous en live. Je vous dirai à vous juste après hein, sur YouTube où ça on est. On est parfaitement égalité avec Otaku Junior. On a tous les deux gagné le match 2-0. On joue la première place. On joue donc la place en winner bracket. Parce que le second, c'est en loser bracket, apparemment, de ce que j'ai vu. Donc, attention. Là, c'est le match le plus important, je pense. M2 m'a pris le plus up normalement. Ah, j'ai eu les magic call. Je suis en train de mettre un call d'un coup là. Ah, il prend pas le dégât. C'est bizarre qu'il marque le second. Ah putain, j'ai mis ce clic. Ok, nice. Ah, je peux faire ça aussi. Ok, on est bien sur cette seconde stock. Hein. Faut que je mette des dégâts. Hein. Ah. Je tue pas, dommage. Ça va être dur à tuer maintenant. Ok, ça la bait ma bombe.
Merde. Je pensais avoir une bombe. Ça me met mal dans le match, hein. Je vais pas faire ça. Pas vraiment. Hein. Ok. Nice, j'ai un bruit de porte derrière moi. Je me suis mis mal, je pensais avoir la bombe. Smashville, Layla, DF. Ok. Est-ce qu'on peut 3-0 sur cette poule? Waouh. Je pensais franchement la seconde stock m'a bien mis parce que je pensais être en grosse souffrance. Et sous le début de game était dur et à la fin de game il est bien remonté. Mais la seconde scope m'a mis bien sur la game numéro 1. C'est pas pour autant que c'est gagné, la game numéro 2, les amis. On est parti. Dommage, c'est un peu loupé, il a bien lu. Il a bien lu, mais pour l'instant, il a du mal sur le terrain, il s'en sort pas. L'a mis au taku. Ah putain, il m'a bien monté. Par contre, là, j'ai été jonglé comme une... un petit caca. J'aurais pu faire le même jonglage, dommage. Ah putain. Ça avait bien cover, mais je l'avais un peu oublié à mon. Ok. Il est plus agressif d'un coup là. Il saute dessus. Un bon timing, hein. Attention. Heureusement que j'ai regardé le match de l'heure contre eux. J'ai voulu refaire la même. Ok. On était bien sur la première stock et on s'est fait détruire. Bien joué. Ok. Il a compris un truc d'un coup, il y a eu un déblocage. Aïe 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 aïe. Moi qui commence à avoir des lueurs de winner. Est-ce qu'on va pas partir en loser? Sans loser, potentiellement on se prend Magan, hein, les amis. Potentiellement, le bracket, c'est une game pour moi. Yoenbub. On part sur quel terrain? PS2 il me la banne. Smashville j'en veux pas, Lilith j'en veux pas. Battlefield ça me paraît plus dangereux. Yoshi ça me paraît plus dangereux. Mais sur DF? On va sur DF. Je sais pas, hein, j'ai pas fan de DF. Je peux pas jongler mais en même temps...
Non, Varys sur Small BF. Je vois pas intérêt de changer. Je pense que c'est le meilleur terrain. Lylat. Non. Je sais que t'aimes pas cette map, donc tu trolls, mais Non, pas contre Ridley. Pas contre Ridley. Allez, dernière game de cette round robin. Dernière game de cette vidéo YouTube. Je rappelle, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu kiffes Smash Bros. Et tous les autres jeux qu'on peut partager ensemble. N'oublie pas de mettre un pouce bleu si tu aimes cette vidéo et ce genre de format. Bien sûr, je prends en compte. Hein. Dis en commentaire, est-ce que selon toi je peux gagner cette game numéro 3 avant de la regarder? Merde. Dommage. Même départ sur la step 2, hein, sur la game 2, hein, mais... Bon. Deux fois qu'il me nique comme ça. Je suis mort. Ah. Ça tue pas encore. Pas sûr que ça tue. Non, c'est trop lourd, il est. Pas compris comment il est pas volé. Il est ok. Ok. Bien. J'ai pas le temps. Je l'ai bait avec le smash, ça m'a fait plaisir, avec le shield. Vraiment? Salut Dark Mika, comment tu vas? Je suis. Qui fait plaisir, je l'ai bien follow ce coup-ci et on va le choper la win et la première place dans ce bracket.
Let's go! Oui! J'espère que t'as kiffé cette vidéo, mon cher YouTube. Et bisous.